à tous, bienvenue sur la chaîne Roue Guitare. Très très heureux de vous retrouver pour les fidèles de la chaîne. Vous allez apprendre à jouer le blues aujourd'hui, mais pas n'importe quel blues, le Chicago Blues. Vous savez, il existe mille et un styles de blues. Alors pourquoi on parle de Chicago Blues? Bon, tout simplement, vous savez, dans les années 30, années 40, il y a eu ces grandes migrations des zones rurales vers les grandes villes, dont Chicago, et donc les bluesmen se sont électrifiés. Vous savez, ils étaient le Delta Blues, le Mississippi Blues, tout ça, c'était des styles plutôt acoustiques. Et là, c'est devenu des choses un petit peu plus, on va dire, industrielles à cause de cette atmosphère industrielle de la ville de Chicago. Sont apparus des types de blues avec des orchestrations plus électriques, il va sans dire. C'est avec des systèmes audio, des pianos, des harmonicas et puis la batterie, évidemment. Donc le blues est entré dans cette ère-là. En fait, c'est le blues moderne, c'est le blues que vous connaissez tous. Il y a quand même dans ce style-là certains éléments guitaristiques, notamment du blues où on a des notes single, des single notes. Alors pardon, là, je sais qu'il y en a qui vont me tomber dessus avec ça. Donc où on a des notes, je cherche mon potentiomètre de volume. Cette guitare, elle est un petit peu nouvelle, donc je ne sais pas où tout... toutes ces fonctionnalités se trouvent exactement. Donc on va avoir des notes jouées simples. Comment je peux dire ça? Donc ces trois petites notes, elles sont jouées en triolet. Et vous avez, c'est le bon? Oui, c'est le bon. Ces trois notes jouées en triolet, en fait, il y a le bend. Et donc ces notes simples. Et ensuite, on enchaîne avec de la rythmique. Évidemment, on va remplir un petit peu, on est tout seul. Cela dit, je vous ai fait une petite backing track que vous avez pu entendre, et puis je vous ai fait les tablatures également en PDF et Guitar Pro, donc vous ouvrez la description, je pense qu'avec ça déjà vous allez pouvoir vous amuser. Mais honnêtement, entre nous, c'est quand même mieux si vous pouvez le jouer sans backing track, si vous le jouez tout seul. Pourquoi? Eh bien, il y a ce côté un petit peu autonome du guitariste que j'apprécie énormément, qui a beaucoup de valeur à mes yeux et à mes oreilles. Donc si vous pouvez jouer sans backing track, c'est pas plus mal. C'est un blues en La, évidemment. Alors on va commencer avec ces notes et on termine donc sur un La pour une petite rythmique en La. Ensuite, on enchaîne la mesure suivante sur du Ré. Sur le Ré, on va jouer ce petit phrasé en Ré. Alors, vous allez vous dire, ça va vite là, il y a beaucoup de notes. Bon, il va falloir l'apprendre évidemment, vous savez, c'est un blues de niveau intermédiaire. Alors, je vais mettre sur le côté manche pour avoir un son un petit peu crémeux. Je mets le doigt en demi-barré à la deuxième case. Ça, ça doit être joué en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà, j'y arrive. Bon, vous savez, quand on le joue rapidement, on ne pense pas au triolet et à ces choses-là. Alors, vous m'excuserez, vous avez remarqué que j'ai un pansement sur le doigt du milieu. Je me suis ouvert le doigt comme un abruti. Donc, il va falloir faire le tutoriel avec ce pansement. Ça ne va quand même pas nous priver de tuto. Alors, ça démarre à la troisième case et tous vos doigts vont être en fait sur la corde de Si. Le doigt 1, 2, 3 sur la corde de Si, la deuxième corde. Vous allez tirer comme ça, vous allez lever la corde. Le pouce va vous aider un petit peu. Et là, j'aime bien donner une attaque vers le haut. Pull off. Donc, vous relâchez. Pull off 1. Ou alors sans pull off. On va le faire avec le pull off. Et ça, c'est le premier temps de la première mesure entre guillemets. Donc c'est un blues en La, vous avez cette rythmique shuffle bas, 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 bas. Donc faites-le bien saccadé, on passe en Ré. Et donc, le Ré, c'est cette phrase qui va tourner autour des couleurs de l'accord Ré. On veut le Fa dièse, la tierce majeure. Et on l'a ici. Alors là, vous allez faire des hammer-ons et des pull-offs. Donc vous laissez le doigt en demi-barré. Le petit doigt, là vous n'avez pas le choix. Si c'est le doigt numéro 3, c'est faisable, mais ça ne va pas être super à l'aise. Donc en fait, en pull-off, vous avez le 2 et le 0 qui est assez simple à faire. Il ne faut pas rater la troisième case parce qu'on enchaîne avec la rythmique. Alors vous pouvez faire le
pour donner un petit effet de changement. On recommence, mais cette fois-ci pour le cycle en ré. Et la même phrase. Et le cycle en la. Donc le cycle en mi, je vais l'introduire avec ce petit slide. Très très sympa, vous pouvez utiliser le doigt numéro 2 si vous voulez avec le pansement, ça glisse encore mieux. Slide 3, 5. Attention à s'arrêter à la cinquième, pas fermé. Et la corde à vide demi, donc on a demi. Au cas où vous ne seriez pas convaincu qu'on doit passer en mi. Et là par contre le mi septième, vous ne le connaissez pas celui-là. Pourquoi ? Ben en fait, on a le mi, la fondamentale, la tierce majeure, sol dièse, et la septième mineure, le ré. C'est tout ce qu'il nous faut, on n'a pas besoin d'autre chose. Donc, en shuffle, 1, et 2, et 3, et 4, un ré 7, la phrase, on ne s'en lasse pas. Et le turnaround, alors c'est peut-être le passage le plus difficile, vous allez devoir l'apprendre par cœur. Quatrième casse corde de la. Donc avec un demi barré sur la deuxième case. Petit doigt 5. 2, 4, 2. Donc ça c'est assez simple à faire. 5, 2, 4, 2, 5, 2. Donc c'est que du 5, 2. 4, 5. Pas obligé le petit doigt, mais je vous le conseille quand même. Le mi et le petit rappel. 0, 1, 2 cordes de ré. Et c'est reparti. Donc c'est une boucle en fait, hein. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais. À la fin, vous m'avez vu faire le. Donc là, on est sûr que le blues est terminé quand on entend ça. Et en fait, c'était un La7. Jouer en triade, si on peut faire une triade avec un accord septième. Et en fait, j'ai quatre cordes, donc c'est pas complètement une triade, mais vous pourriez le faire comme ça, juste avec deux cases, donc 3, 3, 4, 3, 3, 4, et 2, 2, 3. Ça sonne un petit peu plus balèze quand on... Donc le pouce pour étouffer, et vous les claquez ces cordes. Le blues, vous le savez, ce sont souvent des motifs, presque tout le temps des motifs répétitifs, autour desquels on va rajouter une rythmique. Donc là, c'était le. Ensuite, une autre phrase. Et ensuite, on reprend notre rythme. Et bien, qu'est-ce qu'on va jouer après ? La même chose. Mais on enchaîne sur le cycle en ré. Alors, si ça va un petit peu trop vite, je suis vraiment désolé, mais c'est un blues pour intermédiaire. Ça ne veut pas dire que les débutants, vous n'avez pas le droit d'être là, au contraire, mais ça veut dire que les débutants, je vous invite à regarder cette leçon sur le blues pour débutants. C'est-à-dire que vous devez au moins savoir de quoi je parle quand je parle du blues en 12 mesures. Vous avez des accords qui reviennent en cycle, et c'est ça le blues. Ce n'est pas un morceau de pop où vous avez le couplet, le refrain, le pont, le solo, ces choses-là bien structurées. En fait, le blues, c'est assez libre, mais vous avez toujours un cycle d'accords qui va tourner. Et là, on a des petits motifs qui vont se répéter. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce petit blues. Ça a été un véritable plaisir pour moi de vous le présenter et de vous le décortiquer. Je vous rappelle que les tablatures sont à votre disposition. Vous ouvrez la description de cette vidéo. Bien sûr, je vous invite à soutenir la chaîne Roux Guitare car ces tutoriels ne me tombent pas du ciel. Il faut quand même les écrire. Il faut écrire les partitions. Il faut le filmer. Et il vous faut vous faire le Guitar Pro. Avec très grand plaisir d'ailleurs, mais encore plus grand plaisir si vous pouvez me filer un petit coup de main avec ça. Alors, ce n'est pas obligé pour ceux qui veulent juste suivre pour leur plaisir, vous êtes également les bienvenus. Donc, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur les blues pour débutants, et celle-là, je vous la conseille si vous avez adoré ce style-là, mais peut-être que ça va un petit peu trop vite. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont démarré la guitare là récemment. Donc, pas de panique, une brique après l'autre, un pas après l'autre, une marche après l'autre, c'est pas pressé, ça va venir. Et pour jouer le blues, il n'y a pas besoin de jouer comme un virtuose pendant 30 ans. Vous prenez un accord, vous en prenez un deuxième et ensuite vous rajoutez trois notes. Voilà, ça va venir progressivement.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous retrouve le plus vite possible. Il y en aura d'autres, des blues, il y en aura d'autres, des Chicago blues, des Delta blues et des petits jazz super simples. Et je n'oublie pas le picking. À très bientôt. Bye bye.